FIFA, j'ai commencé à 13 ans vraiment à jouer beaucoup. Et c'est là que j'ai commencé à faire des compétitions. J'ai été champion de France, ce qui m'a permis de décrocher un ticket pour l'ESWC à la Paris Games Week, en gros, qui était considéré comme la Coupe du Monde de FIFA. Et justement, entre mon titre de champion de France et la Coupe du Monde, il y avait un intervalle de 2 semaines. Et bah, le PSG lançait son équipe. Ça m'a permis d'avoir mon vrai contrat professionnel dans une équipe de foot. 2 semaines après ma venue, j'ai gagné la Coupe du Monde. Donc, on va dire 2 semaines qui ont changé ma vie. Passer de joueur semi-pro à joueur professionnel au PSG, champion du monde. J'ai regagné une autre Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2019. Voilà, c'est une expérience inoubliable. On va à Clairefontaine, on est parmi les joueurs de foot. Le foot, c'est ma passion. C'est ma première passion avant les jeux vidéo. C'est pour ça aussi que je joue à FIFA, parce que ça a réuni mes deux passions, donc le foot et les jeux vidéo. Mais j'ai repris depuis 2 ans à jouer au foot. Du coup, je joue dans un petit club avec des amis, mais je joue aussi au tennis. Ça me permet aussi d'être bien dans ma peau, et c'est plutôt cool. Les journées, on va dire, c'est un peu tous les mêmes pour moi. Je fais de la méditation. Du coup, moi, je me suis mis à méditer. Ça me permet de retrouver un calme, enfin une sérénité, confiance en moi. Ça me permet d'avoir un gain de confiance. Par la suite, toute l'après-midi, je pense que je me mets à jouer. Ça dépend quand j'ai des séances d'entraînement, que ce soit avec le foot, le tennis. Et généralement, je varie entre ça. Après, en ce qui concerne la nourriture, c'est vrai que je mange beaucoup plus sainement. Tout ça cumulé, je pense que je suis pas mal en termes d'hygiène de vie. Rejoindre Vitality, c'est pour tous les gamers, entre guillemets, c'est un rêve, parce que c'est la plus grosse structure française, voire européenne. Avec la plus grosse notoriété, enfin la plus grosse image. Comment ça est venu? Je pense du coup Vitality savait que j'étais sans équipe et je parle beaucoup à Rocky et Brian qui est le sélectionneur. Et du coup c'est venu naturellement, ils ont parlé de moi auprès des dirigeants et moi je leur ai montré ma motivation pour les rejoindre. Ça s'est fait automatiquement. Surtout que normalement cette année il y aura des compétitions en double, ce qui fait qu'ils cherchaient un joueur avec qui Rocky s'entendait bien. Et du coup c'était nickel, enfin c'était parfait pour qu'ils me prennent. Rocky, ça, je pense que ça doit faire 6-7 ans qu'on se connaît. On a réellement beaucoup joué ensemble. On a notamment joué ensemble en équipe de France. Et ça a tout le temps bien marché. C'est pour ça aussi que je suis content de rejoindre Vitality, parce que au moins je suis pas tout seul et je suis avec quelqu'un que j'aime bien. Donc c'est que du bonus.